Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Loupna Cake. Je suis ravie de vous retrouver après une longue absence, donc me revoilà. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble la ganache montée au chocolat noir. Vous retrouverez sur ma chaîne la ganache montée au chocolat blanc, au chocolat au lait, et aujourd'hui, je vous la propose au chocolat noir. Donc c'est parti pour la recette. Vous allez avoir besoin de 450 g de chocolat noir que vous allez faire fondre au micro-ondes, de 300 ml de crème liquide entière chaude et de 450 ml de crème liquide entière froide. Donc je commence par faire fondre mon chocolat au bain-marie. Pendant ce temps, je fais chauffer ma crème liquide, donc les 300 ml de crème liquide que je porte à ébullition et que je vais incorporer au chocolat noir en 3 fois. Donc vous mélangez bien entre chaque ajout. Voilà, donc vous partez bien du milieu pour mélanger et vous mélangez donc délicatement jusqu'à ce que la crème soit bien incorporée avant d'ajouter le reste de crème chaude. Donc vous pouvez la rajouter en 2 ou en 3 fois, tout dépend de la quantité que vous allez faire. Si vous voulez une plus petite quantité, vous pouvez très bien diviser les quantités par 2, ça ne pose aucun problème. Donc là, j'ai incorporé ma crème chaude. Donc c'est de la crème liquide à minimum 30% de matière grasse. Si vous avez de la crème à 35%, c'est encore mieux. Et ensuite, j'incorpore la crème liquide froide cette fois-ci. Pareil, en 3 fois. Donc vous mettez bien donc la crème et vous mélangez bien entre chaque ajout en partant bien du milieu. Et vous voyez qu'à force de mélanger, vous allez former un noyau élastique. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir une ganache très onctueuse. Je mets la deuxième partie de ma crème et je mélange de nouveau. Donc moi, dans toutes mes ganaches, j'ai pour habitude de les passer tout à chaque fois au mixeur plongeant. Donc ça vous permet d'avoir une ganache. Une texture plus agréable, vous verrez que votre ganache sera plus onctueuse. Donc c'est très important d'utiliser un mixeur plongeant dans vos ganaches. Si vous n'en avez pas, vous ne le faites pas, hein, c'est pas obligatoire, mais vous verrez que les ganaches seront au niveau de la texture, elles seront beaucoup mieux. Donc une fois que vous avez bien mixé à l'aide du mixeur plongeant, vous allez venir filmer la ganache au contact. Donc moi je la filme une première fois au contact et je rajoute un deuxième film pour bien bien la protéger donc des odeurs du frigo. Voilà. Donc vous la laissez. Donc moi je l'ai laissée toute une nuit au réfrigérateur. Donc je l'ai préparée la veille pour le lendemain. Si vous n'avez pas le temps, laissez-la poser au moins 4 heures au réfrigérateur. Il faut vraiment qu'elle ait le temps de bien refroidir pour qu'elle monte bien par la suite. Donc là, vous voyez la texture. Donc j'ai une ganache bien souple, donc que je vais réserver dans la cuve de mon robot et à l'aide du fouet, je vais venir fouetter la crème pour la monter. Donc je commence par fouetter à petite vitesse pour laisser ma ganache monter tranquillement. Il ne faut pas mettre tout de suite le fouet sur une vitesse maximum. Vous commencez en vitesse 2 par exemple et vous augmentez la vitesse petit à petit jusqu'à ce que la ganache soit bien épaisse. Attention de ne pas la fouetter trop longtemps, sinon elle risque de retomber votre ganache ou de grainer. Donc arrêtez-vous au bon moment. Quand vous voyez que la ganache a bien épaissi, arrêtez de fouetter et votre ganache sera prête. Donc là vous voyez, je commence à fouetter petit à petit et on voit que la ganache s'épaissit assez rapidement parce qu'elle est bien froide. Et vous pouvez également aussi mettre la cuve du robot un petit peu au réfrigérateur, ça aidera votre ganache à être bien ferme. Voilà, donc vous voyez qu'elle commence à bien épaissir, donc je surveille bien à cette étape-là, il faut bien la surveiller pour ne pas la laisser fouetter trop longtemps. Donc c'est très rapide, hein, c'est vraiment rapide. Ce qui est un peu long, c'est le temps de pause. Donc la veille pour le lendemain,
ou au minimum 4 heures. Mais sinon, c'est une recette qui est très facile à faire et qui est très rapide également à faire. Voilà, donc là, j'arrête de fouetter ma ganache. Vous voyez qu'elle se tient bien, qu'elle est bien ferme et en même temps, elle est très légère. Voilà le résultat de ma ganache. Donc, je vais vous montrer la texture qu'elle a. Donc, elle est, comme je vous disais, elle est bien épaisse et en même temps, elle est très légère. Voilà, donc vous voyez, ça ressemble un peu à une mousse au chocolat. Hein, la ganache montée, c'est un petit peu une mousse au chocolat. Donc, avec ça, moi, je m'en sers pour fourrer mes gâteaux, mes layer cakes. Vous pouvez faire avec des verrines. Vous voyez comme elle se tient bien. Je l'ai pochée pour vous montrer la texture. Donc voilà, la recette est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.